Coach, what are your feelings after this game? Some frustration for you because your team certainly deserved to win this game. I think we deserve clearly to win. We had the most opportunities, played the best football. And in a game, a top game like it was today, for us it was to stay up and fight for at least the first 14 games. But we saw that it was not enough. All the opportunities we had to score on them. So we have to blame ourselves. Also the penalty that we make is like a youth, totally to avoid. So we have only to blame ourselves. But also when you see the game, the decision that was taken, I cannot be satisfied with that. You have been watching for the video. You should get a penalty. Yes, but we should have got that in another game or the last games. But here, I don't know if this is what they tell me, that the Union is treated like a smaller team, and this is a fact we have to live with. We have to fight against. But there's nothing else that starting from tomorrow, preparing the next game. Are you happy with the things that your players have done today? Yes, I'm happy because we deserve it. We were the better team. We had some good moments, of course. With the 1-0, they made more pressure on us, which is normal. We made a change there to close their right side. And I don't think they had clearly opportunities to come into the game. And in the counter-attack, we had big opportunities. And next week, you will play another tough game against Westerlo to keep the fight on the top of the classement. If they leave us, fight with them, we will give everything, yeah. Thank you. Roman Ferber, quelle est votre analyse de ce match? On a l'impression malgré tout qu'il y a de la frustration du côté de l'Union parce que vous méritiez peut-être mieux ce soir. Mon analyse reste la même que la semaine passée. Quand en sortant du match contre l'OMEL avec un énorme goût de trop peu, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas connaître le football pour savoir qu'on méritait les 3 points. Et voilà, après, on fait match nul à domicile. On a vu beaucoup de générosité dans les efforts, une équipe qui se bat. Malheureusement, il y a des occasions qui sont loupées aussi. Ouais, on sait qu'on est une équipe comme ça. On est 11 joueurs, on est une famille sur un terrain, on se bat les uns pour les autres. C'est ce qui a fait notre force. Les années précédentes et encore pour l'instant, donc il faut que ça continue. Après, ouais, on a galvaudé pas mal d'occasions, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, malgré ça, on devait gagner. Deux phases litigieuses dans ce match, vous encaissez sur penalty et puis il y a une faute de main, peut-être dans le rectangle de l'autre côté. Quel est votre regard sur ces deux actions-là? Le regard qu'on a sur le banc, en tout cas, c'est que le premier penalty pour Louvain est clair et net, je pense. Il y a penalty. Après, de où on est sur le banc, il y a tout le monde qui voit la main, sauf l'arbitre. Après, voilà, c'est incroyable de ne pas le voir, il est à 10 mètres, même pas. Et nous tous sur le banc, on l'a vu, donc je ne comprends pas comment il ne l'a pas vu. Ça fait 3 matchs sans victoire, malheureusement, pour l'Union. Est-ce qu'on va se mettre à douter ou les prestations permettent justement de garder la tête haute? Non, on ne doit pas douter. On sait qu'en sortant de ces 3 matchs, on devait prendre 9 points. Maintenant, voilà, on n'a pris que 2. C'est un bilan beaucoup trop en dessous de ce qu'on devait avoir. Et voilà, maintenant, on va continuer à travailler. On sait ce qu'on a, on sait ce qu'on devait avoir, donc on va continuer comme ça. Donc ça reste très serré en tête du classement, on a l'impression qu'il y a 3-4 équipes qui sont en train de se détacher tout doucement. Ouais, c'est ça qui nous fait un peu mal au cœur aujourd'hui, parce qu'on sait que si on prenait les 3 points, on revenait à égalité avec Westerlo, et on sait que voilà, si malgré tous les points qu'on a galvaudés ici ces 3 derniers matchs, on est toujours tout près, donc voilà, c'est ce qui compte aujourd'hui. Un nouveau gros match, la semaine prochaine, vous allez à Westerlo? Ouais, on va à Westerlo, et j'espère qu'on aura plus le même sentiment après les 90 minutes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Siebe van Rijden, wat een wedstrijd. De eerste helft zat nog redelijk op slot met enkele goede mogelijkheden voor Union. Maar in de tweede helft moeten jullie altijd meer dan 1 keer scoren. Ja, tuurlijk. We moeten gewoon onze kansen afmaken. Uiteindelijk kunnen we ook, hoor ik ook op de beeld dat het gewoon een penalty was voor ons. Maar je moet je kansen ervoor ook al afmaken. Dan sta je voor en kan je de wedstrijd gewoon sluiten. En winnen we die wedstrijd. Nu is het 1-1. En is het spijtig dat de ref niet fluit. Het is voetbal uiteindelijk, ja. Ja, inderdaad. 2 cruciale fases. Die ene fase helemaal op het einde van de wedstrijd was inderdaad handspel eerst van Keita. Maar de scheidsrechter reageert niet.
Nee, hij reageert niet en dat is heel spijtig, want wij krijgen natuurlijk wel een penalty tegen. En als je die dan niet krijgt, dan, ja, dan is het gewoon heel spijtig en is het heel zuur voor ons. En spijtig dat zo'n beslissing genomen wordt, ja. Ja, goed, over die penalty kan je ook discussiëren, maar toch niet verstandig van Perdikizi om daar te gaan tackelen, hè? Nee, het is niet verstandig, maar oké, het is een fout, dat kan gebeuren, we moeten eruit leren. Hij zal er zelf ook uit leren, daar ben ik 100% zeker van. En ik zeg, het is spijtig gewoon dat het uiteindelijk 1-1 is, ja. Drie wedstrijden, de jongste drie wedstrijden. Union had telkens meer er kunnen uithalen dan er uitgekomen is, hè? Ja, zo is het. De laatste drie wedstrijden konden we meer punten pakken dan dat we uiteindelijk hebben gedaan. En dat is heel zuur, want uiteindelijk dat zijn de momenten dat je de punten moet pakken. Als je kampioen wilt worden, dan moet je die punten pakken. En oké, we gaan de hoofden niet laten zakken, we gaan gewoon verder werken. En die punten komen vanzelf dan. Dankjewel.